Bonjour à tous, donc Sylvie Pinvert, je suis enseignante-chercheure à l'UBS et je veux juste introduire rapidement le Master EIT. Avant de parler du Master EIT, je vais quand même faire un petit rappel sur la licence Sciences, Écologie et Société qui a été créée en 2012, donc ça fait déjà 7 ans et c'est vrai que le temps passe vite et à l'époque c'était quelque chose d'assez innovant en termes de pluridisciplinarité, et ça le reste toujours puisque c'est une licence sur les enjeux du développement durable, pluridisciplinaire, qui balaye un champ très très large et qui reste unique en France de par cette pluridisciplinarité. Et donc, au fil des promotions d'étudiants, je me suis dit effectivement, est-ce que proposer une formation un petit peu dans la continuité, mais à un niveau supérieur, donc au niveau master, essayer de proposer une formation. Et donc là, après avoir un petit peu regardé ce qui se faisait au niveau national, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de formations qui, tout au moins, l'abordaient en affichant clairement l'enjeu écologie industrielle et territoriale, mais également en termes d'intitulé, je me suis posé la question je voyais un peu le contenu et après ça s'est affiné, mais en termes de la question du titre, on a parlé tout à l'heure RSO, RSE, RSOT, économie circulaire, donc c'est vrai que, et plusieurs personnes m'ont fait la remarque, écologie industrielle et territoriale, ça parle pas forcément à tout le monde. On m'a dit, vous auriez peut-être plus l'appeler économie circulaire. Alors pour moi, économie circulaire, c'était quelque chose de plus large, dans lequel il y avait la composante, en particulier la composante ESS, qu'on n'a pas vraiment dans le Master IT. Mais on a mis un petit chapeau pour parler de la RSE, justement. Et je me suis dit, l'appeler un Master Responsabilité Sociétale des Organisations, ça ne va pas forcément parler. On voit bien qu'au niveau des discussions et des échanges qu'il y a pu avoir, ce n'était pas forcément, je pense, le terme pertinent, tout au moins au début, quand on a commencé à le réfléchir. Et puis bon, 3 ans et demi après, le master a vu le jour avec cette première promotion qui compte 12 étudiants. Donc on a passé le cap symbolique des 10. Bon, ça aurait été 8. On l'aurait quand même ouvert. On avait un seuil d'ouverture à 7. Donc 12, c'est bien. Et le challenge, c'était également de l'ouvrir en formation continue exclusivement. Hein, donc c'est un diplôme qui a été créé, puisque la formation doit être... ce diplôme devait être autofinancé, avec les contraintes budgétaires qui sont omniprésentes maintenant dans les universités. Et donc... le fait de l'ouvrir en formation continue. Donc on a des étudiants qui sont en contrat de professionnalisation, qui sont en contrat d'apprentissage, et puis qui sont en stage long alterné. Voilà, donc, et des publics qui sont extrêmement, extrêmement variés, avec des origines, donc des tout jeunes étudiants qui ont un master 1 et qui font un master 2. Voilà, des étudiants qui ont déjà un Master 2 validé et qui vont se faire une compétence complémentaire. Et également des personnes qui ont travaillé, qui se réorientent professionnellement et qui vont chercher des nouvelles compétences pour enrichir leur parcours professionnel et rebondir sur d'autres carrières. Et on a également un salarié que je n'oublie pas, d'une structure locale qui a le plaisir de pouvoir expérimenter cette nouvelle formation. Voilà, et donc parmi ces 12 étudiants d'horizons donc très variés, d'origines aussi variées, donc ça c'est bien. On n'a pas que des étudiants du territoire de l'Orient, loin de là. Hein, on couvre un peu, on a le nord de la France, le sud, enfin bon, c'est vraiment très large. Voilà, et donc on a parmi ces étudiants, donc Aldric Conan qui va intervenir, qui est un ancien étudiant de la licence Sciences, Écologie et Société. Donc, je suis fière d'avoir ouvert ce master avec un des anciens de la licence SES, qui prouve que le challenge était pas mal vu de faire un petit peu une continuité. Voilà, et puis Aldric va se présenter parce qu'il a fait autre chose depuis son passage en licence SES. Oui.
Donc bonjour à tous. Donc comme l'a dit Sylvie, j'ai fait une licence en sciences appliquées, écologie et société. Et par la suite, je me suis dirigé vers un master en ingénierie, management et environnement et développement durable à l'Université de technologie de Troyes, dont j'ai été diplômé. Et par la suite, après l'ouverture de ce master-là, du master EIT, j'ai décidé de postuler d'une part parce que j'ai vu que c'était dans la continuité de ce que je voulais faire, notamment la RSE, parce que j'ai envie de me spécialiser dedans, mais aussi l'offre d'emploi qu'avait proposé ILROM, la société dans laquelle je suis salarié actuellement, qui est une société de technologie médicale qui crée les lits et qui est basée à Pluvigny. Et c'était en tant que chargé de projet RSE, donc j'ai tout de suite postulé. C'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Donc une offre comme ça, c'est une expérience enrichissante que j'aurais pu avoir. Donc mon profil, il fait sens pour ILROM parce que au vu de mes ressources compétentes, parce que je suis une ressource compétente et de mes diverses expériences que j'ai pu avoir au long de mon cursus universitaire, notamment avec mon stage de fin d'année. Du master à 3 chez Diana Food à Rennes, une entreprise dans l'agroalimentaire. C'était une des obligations que voulait ILROM, voulait une personne qui connaisse le monde de l'industrie, qui est multinationale et qui sache être autonome, etc. Et qui connaisse aussi la RSE. Parce que ILROM, faut savoir qu'ils font beaucoup de choses dans la RSE, mais ils n'ont pas forcément conscience de ce que c'est la RSE, en fait. Pour eux, c'est quelque chose de logique. Par exemple, ils sont certifiés Great Place to Work. C'est la première industrie de cette taille-là qui a environ 500 salariés en France. Et elle a été certifiée Great Place to Work. Donc c'est une entreprise où il fait bon vivre. Les employés sont heureux parce qu'on s'y sent bien. Et donc du coup, ils font beaucoup de choses en termes de RSE sans vraiment le savoir. Donc mon rôle, à moi, une fois dans l'entreprise, c'est de leur montrer ce que c'est la RSE. De faire d'autres projets, de continuer. J'aurai d'autres projets comme l'économie circulaire, comme on en a parlé, des projets d'éco-conception, d'analyse de cycle de vie de leurs lits qu'ils font, et plein d'autres projets, par exemple, avec des organismes comme la récupération des anciens lits quand ils vont remplacer dans les hôpitaux. Ils vont ensuite les transférer dans un hôpital au Sénégal. Donc on cherche des organismes pour transférer tout ça. Donc voilà à peu près ce que je vais faire là-bas. Les compétences que je vais acquérir au cours de cette formation EIT vont me permettre aussi de mener à bien d'autres projets comme les cours qu'on va avoir sur la norme ISO 26000, la norme ISO 14001 ou 50001. Parce que, par exemple, ILROM est déjà certifié EcoVadis en gold. C'est une certification qui est à la base aussi sur la norme ISO 26000 de l'entreprise. Et elle veut se refaire certifier pour l'année 2019-2020. Donc mon but à moi, c'est de les aider dans cette nouvelle certification. Pareil pour la norme ISO 14001, c'est la norme sur le système de management environnemental. Pluvigny est déjà certifié 14001, mais ils ont pour objectif de certifier d'autres usines, notamment en ce moment, on essaye de certifier celle-là en Espagne. Donc je vais aussi apporter mes connaissances et les aider dans cette certification. Et pour la 50001, pour gérer leur énergie, j'ai essayé de voir... qu'est-ce qui est le plus énergivore, les procédés, les machines, les lumières dans les bureaux, etc. Donc ça fait partie un peu de tous mes projets. Et pour ILROM, avoir un alternant en contrat pro du Master EIT, comme je l'ai dit, c'est une valeur ajoutée en termes de ressources sur certains projets et surtout légitimer, entre guillemets, la création d'un poste à temps plein d'une personne en charge de la RSE de cette entreprise. Parce qu'en ce moment, c'est mon responsable qui est lui-même responsable du service EHS, environnement, hygiène, sécurité du site. Il a déjà beaucoup de travail, mais en plus de ça, il doit rapporter tout. Il a la partie aussi RSE, donc du coup, ça lui rajoute énormément de choses à faire. Et du coup, lui, il veut montrer à la direction que ce travail-là, c'est une charge de travail très, très grande et que c'est... que l'ouverture d'un poste à temps plein sur la RSE d'une telle entreprise, c'est quelque chose qui peut se faire et c'est du boulot, quoi. Donc du coup, mon travail à moi, ce serait de légitimer cette ouverture de poste. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire.